ça permet de prendre du temps pour vraiment se poser et réfléchir en tant que manager au manager qu'on est et à celui qu'on veut être. Pour repenser certaines choses, notamment l'onboarding, les interviews ou même certaines méthodes d'OKR. J'avais hésité à une époque à prendre un coach et en fait, de par ma volonté de la diversité des intervenants et des gens avec lesquels, enfin du coup de mes camarades avec qui j'ai pu échanger, j'ai choisi Lyon pour le contenu mais aussi sur tous ces deux points, des intervenants différents avec des backgrounds différents et des gens aussi, des camarades différents avec des backgrounds différents. Élargir mes horizons sur le management, trouver des outils, trouver des concepts nouveaux, enrichir en fait ma vision du management et du coup les choses que je pouvais mettre en place. Et puis par ailleurs rencontrer des gens, puisque aujourd'hui je travaille dans une petite équipe, une petite société, donc j'ai pas l'occasion d'échanger avec beaucoup de managers et donc du coup rencontrer des gens qui avaient les mêmes problématiques. C'est quelque chose qui m'a été dit, et notamment au sujet des conversations difficiles, c'est une petite chose, mais au final, je pense qu'il y a une part importante, c'est de ne pas mettre des pourtant ou des mais dans les phrases, mais des en même temps. Et ça change tout. Je dirais de ne pas hésiter à contacter l'équipe, qui a été super disponible pour répondre à mes questions. De regarder aussi les avis, notamment sur la formation, et de ne pas hésiter parce que c'est vraiment enrichissant, même au-delà du management, mais humainement. Sur les relations humaines, les rapports humains, la prise de parole en public, les conversations violentes ou difficiles, ça peut aider dans plein d'aspects de la vie. Ça permet de prendre un temps qui n'est pas forcément toujours accordé, que ce soit par l'équipe, par sa société ou même par soi-même. Donc ça permet de prendre du temps pour vraiment se poser et réfléchir en tant que manager au manager qu'on est et à celui qu'on veut être.